Bonsoir YouTube. Tu peux dire bonjour à YouTube, parce qu'ils ont quand même attendu ça pendant des heures la dernière fois. Hein. Bonsoir ton tube. Bon bah fin de la quête. Hein. Finalement on a fini par potentiellement fin de la quête. De quoi? Potentiellement fin de la quête. Parce que moi, je t'avoue j'ai un doute. T'as même pas intérêt d'avoir un doute là. Elle est où ta belle? Elle est là. Ah bah qu'est-ce qu'elle est moche. 1100 boules. Oh là là. Ah mais chapitre 2 terminé, donc en fait tu lui en ramènes juste une, c'est bon. T'as même pas besoin de lui en ramener 4. Ça voulait dire que la dernière fois on avait juste en sécurisé une et c'était bon. C'est vraiment ça? Je crois. Hein. Ça veut dire que si Arthur s'était pas endormi et que quand je lui ai demandé ce qu'il en avait, il y en avait une dessus ou pas. On aurait pu juste arrêter au fort, voir s'il restait encore notre butin dessus. Et si c'était encore dessus, on avait gagné. Bah ouais, je crois. Intéressant. Arthur, mets un pouce bleu. Ah belle. 1000 balles. Bon, c'est pas ça qui paye le mieux, mais... C'est d'ailleurs honteux que ça paye aussi mal, mais bon, on dira rien. Ok, bon bah formidable. Ah mais il y a encore une fin de quête. Chapitre 3. Non. C'est une blague. Flameheart is seeking the Veil of the Ancients. An artifact capable of breaking down the barrier between the Sea of Thieves and the Sea of the Damned. Last I heard, it was in the belly of the Pale Beast. I know how to call it, but who is capable of... Merrick! I must speak to Merrick. As soon as I have everything in order, I will find you again. Voilà, le chapitre 3 était très court. Ah, excellent. Vous n'avez pas une petite flamme de la foudre, là? Ah, vous l'avez déjà. Bon, bah, d'accord. Bon, bah, merci ma belle. Merci mon beau. Et puis, De rien. Au revoir ton tube, hein. Des bisous partout. Bisous ton tube.